un brigantin là-bas. Attends un peu, je vais le voir en haut. C'est sûrement une meilleure vue. Ah! Oh! C'est quoi ça? Une chauve-souris? Où suis-je? Un navire? Vous n'avez rien donné. Oh. Je suis mort. Oh, c'est qui lui? Ah, il est. Le destin du Morning Star. Le livre du passeur évoque des âmes piégées dans le monde des vivants. Leurs tristes destinées sont liées au Shortbreaker. Between the seas you sail and my domain. Yet, across the void, I have been watching you. The young lovers you freed, their souls are together now, at peace where I may not follow. And yet, others still linger beyond my reach. Continues to spread like a plague, driven by the desires of a dark and twisted mind. If it is not ended, calamity shall surely consume the Sea of Thieves. In life, I was entrusted with a great treasure, one that lifts the veil which hides the spirit world from living eyes. So precious was this artifact. Me to my grave. I am naught but bones and dust, and now you too must sink into the dirt, the worms, and the blood of a forgotten past. Steel your nerve. Within this book of the dead, I chronicle those damned spirits who linger trapped in the living world. Use its writings to claim my treasure and put those lost souls to rest. Now go! First, seek my sarcophagus, for my greatest treasure still lies within. Étrange. Je suis mort, puis je peux avoir une forme. Je trouve ça étrange. Livre des morts oubliés. La lanterne projette une lumière, de la lumière vient le savoir. Le savoir alimente le pouvoir a un prix. Mes derniers mots. Je saborde mon stoup à Kraken's Fall, car je n'en peux plus l'usage. Je suis le sang de mon front et me rend à mon tombeau. M'étant au sommet du plus haut pic, observant le ciel au travers des palmes. Le palmier est en fin de vie. Il est approprié que l'on soit ici réunis. Le poison s'avait facilement comme promis. Je suis le passeur et ma traversée ne fait que commencer. Wild Rose et George, 22 étés chacun, âmes sauvées, deux amants traqués par jalousie, deux moitiés de médaillons,
symbole de leur amour. Retournez contre eux, piégeant leur esprit. Et pourtant, par la main d'un pirate, la malédiction fut rompue. Le puits de sort veut que je leur parle, que je juge s'il est possible d'aider ceux dont l'âme est rise ou piégée sur les sables au sud d'Olfalfo Isle. Cela me coûtera, mais je dois leur donner une chance. Dinger, 19 étés, âme piégée. Celui-ci est mort dans la terreur, fuyant son destin, la mer. Doté d'une mâchoire de roc, Ceylan n'offre pas de répit. Comme ses poursuivants, il n'ignore pas qu'il est piégé. Son corps siège d'une douleur brûlante et renvoyé dans les airs par les cieux. Il se débat. Fontaine, 24 était âme piégée. Celui-ci a cédé à son exécution aussi inévitable que cruelle. Il ouvre la bouche et dit une courte prière dans la langue de son père. Préserve-nous du feu de l'enfer. Tout ce qu'il reste s'éparpille dans le vent. Capitaine Slat, 63e été, âme piégée. Celui-ci est mort au combat. Je n'en attendais pas moins. Lui seul ose affronter son ennemi juré, l'âme à l'âme. Il tente une feinte, mais il est trop vieux et trop lent à présent. L'acier s'élance, il lui aussi est piégé. Un feu froid consomme son âme et il ne souhaite que son salut à elle. Alors, Crokenfall. Des données. Oh, n'oubliez pas. Rendons-nous à Offerfall High. Aussi, c'était sur cette île au sud de l'île. Oh, oh, une chaloupe avec trois coffres. Sauf par là, non. Oh.
Il montre le chemin. Si suis arrivé, papa. Tu m'avais dit que mon vieux sloop ne pourrait pas traverser le Wild, mais j'y suis arrivé et en un seul morceau. Et tant mieux, enfin je peux dire, cette île est l'un des endroits les plus hantés. Je ne crois pas qu'il ait besoin de mon fantôme ici. Je ne suis pas une super pirate, papa. Et tu n'as jamais eu peur de me le dire. Mais ce soir, je vais enfin faire quelque chose de bien. J'en tremble quand que je peux à peine écrire. Mais je dois le faire. Je vais le faire. Je n'ai pas peur et je vais le faire sans hésiter tout de suite. Oh, ça c'était pas. Je vais où? Je vais aller par là. Combat. J'allais par là. Oui, c'est par là. Le coffre. Oui! Le coffre est là. C'est quoi cette lumière? Une clé. Peux-tu montrer? Oh oui, il est très très pas. Il faut avoir une clé au fond de l'eau. La voilà. Allons ouvrir le coffre. Ça dit, il y aurait trop de coffres pour les trois personnes. Dis-moi pas que...
freedom! It's been so long. I'm in your debt, but for now, I must leave this wretched place. Un fantôme? C'est-tu l'arme du pirate? Est-ce que c'est trois coffres pour trois pirates? Oh non. C'est vraiment ça. Retournons pour avoir savoir où sont les autres coffres pour les libérer. Ok, il y en a deux qui sont par là-bas. Ça, je sais pas. Suivons ces traces. Les traces. Ça continue par là. Les autres traces là. Suivant ces traces. Oui, un deuxième coffre. Les autres traces, c'est peut-être la clé. Oh. Comment? Un levier. Voilà la clé. Allons ouvrir et libérer un autre homme. Allons voir où est l'autre. Ouch. J'ai rien mangé. Ok, c'est là. Parfait. Suivons les traces.
Oui, le coffre. Oh, la clé est par là-bas. Et un livre. C'est digne d'une douzaine de pirates différents. M'ont dit que cette île était hantée. Est-ce qu'ils se sont moqués de moi? Je ne peux pas accepter ça. Je veux rencontrer un fantôme et lui parler pour comprendre pourquoi ils ne peuvent pas revenir sur le vaisseau des derniers. Je dois savoir si c'est la vérité. Papa, je dois le prouver. Je veux le prouver pour que tu me crois. Un jour, on reverra Gilles. Allons-y quand même. Au pire, je reviendrai. Oui, juste là. Pile à la bonne place. Allons ouvrir le dernier coffre. Faut retourner au navire des damnés. Bon, faut se tuer, mais avant, j'ai pas trouvé tous les livres, je suis sûr. Cherchons-les. En voilà un. Le brouillard s'est installé. Alors que je partais chasser, tu as déjà remarqué comme les sons sont alors étouffés, que tout a l'air étrange. Évidemment que tu l'as déjà remarqué, tu sais tout. En tout cas, dans le brouillard, mon imagination a commencé à faire des siennes. J'ai remonté la pente pour passer au-dessus du brouillard. J'avançais pas à pas, redoutant de tomber dans un précipice. C'est alors que ma main l'a touché. Un os lisse et froid, recouvert d'une pellicule de rosée déposée par le brouillard. Je pensais être prisonnière des squelettes. Heureusement, le brouillard s'est alors levé et j'ai vu que ça n'avait rien de surnaturel. C'est un simple crâne de Kraken. Ouf! Ah, voilà le livre. Le crâne de Kraken m'a donné une idée. Je me suis dit que si j'étais un fantôme, je me remarquerai vite que quelqu'un a un toucher à mes ossements. J'ai fait le tour de l'île et j'ai réussi toutes les crânes que je pouvais trouver pour les empiler. J'ai aussi trouvé des chandelles, ce qui est une bonne nouvelle. Si je rencontre un fantôme en colère, je pourrais au moins m'éclairer et je vais pouvoir écrire encore plus souvent dans mon journal. La tempête sera sur moi avant l'aube. Mon lit me manque avec ses grincements familiers. Mais je me suis fait une promesse. Où est l'autre livre? Il en manque un, je suis sûr certain. Ah, allez, le dernier livre, je suppose. J'ai tout essayé pour ne pas m'endormir. Mais j'ai fini par m'assoupir sur la passerelle. Au milieu d'un groupe de squelettes. J'ai rêvé qu'une personne se tenait au-dessus de moi, austère mais élégant. Il m'a fait penser à ce vieux capitaine que je abusais tant. C'est comme s'il voulait me dire quelque chose, et puis, boum, un éclair. Je me suis réveillé en panique.
Je m'étais pris les pieds dans des cordages et j'ai commencé à hurler. J'ai tiré de toutes mes forces et les cages sont tombées de la passerelle. Oups. J'arrête. L'aube est là et je n'ai pas vu un seul fantôme. Je laisse mes journaux ici au cas où quelqu'un aurait plus de chance que moi. Je rentre, papa, mais je rentre sans Jules. Je suis désolé. Quel dommage. Allons dans le navire des damnés. Quel autre moyen que nous avons? La chute, la mort la plus efficace. Allons le voir. You've returned to my lantern and proven your mettle by freeing the spirits. But your fate is still tied to the Morning Star. Not only her crew, but to the vessel herself. The evil behind these binding curses is a powerful skeleton lord named Grey Marrow, who seeks to claim the shores of gold for himself. He binds those who oppose him so that they may never return aboard my ferry and avenge themselves upon him. To find this Grey Marrow, speak with the shipwright at Daggertooth. She knows the whereabouts of the Morning Star. Retournons parmi les vivants.